Gigi, good morning. Tarehe 18 Aprili 2019, Nabii alitoa unabii katika nchi ya Tunisia. Nimeona kundi linalojipanga kumng'oa rais aliyekuwa madarakani kwa silaha hapo kipindi cha utawala wake. Na sasa nimeona yuko karibu sana na kifo. Rais wa Tunisia. Namwombea. Amen. He was swept from power by a wave of popular protest, fleeing Tunisia to Saudi Arabia. A former military man and diplomat, Zine El Abidine Ben Ali took the presidency in 1987 with a bloodless coup, unseating the country's first post-colonial president. In every election since, he was returned to power with enormous majorities. His opponents said the votes were rigged. Human rights groups described his government as authoritarian and undemocratic, cracking down on any attempts at press freedom and handing out jobs and favors to a select band of supporters. Ultimately, protests over unemployment brought the people out on the streets demanding change. Tunisia's economy looked relatively strong when the uprising began. It was ranked first in Africa for competitiveness. But accused of running a corrupt police state with money concentrated in the hands of a few powerful families, including his own, most Tunisians felt excluded. Under Ben Ali, Tunisia pursued a pro-Western foreign policy, maintaining strong ties to former colonial master France and the US. But as his regime crumbled, France abandoned him, refusing him entry as he fled the country. Saudi Arabia offered him refuge in his final days. But he will always be remembered as the president who was forced from office by an uprising of popular protest. Gigi, good morning. Tarehe 18 Aprili 2019, Nabii alitoa unabii katika nchi ya Tunisia. Nimeona kundi linalojipanga kumng'oa rais aliyekuwa madarakani kwa silaha hapo kipindi cha utawala wake. Na sasa nimeona yuko karibu sana na kifo. Rais wa Tunisia. Namwombea. Amen. The image of Ben Ali with Mohamed Bouazizi, the street vendor who set himself on fire to denounce injustice, has marked the post-2011 generation. Nearly 9 years ago, millions of Tunisians took to the streets and called for Ben Ali's departure. He fled to Saudi Arabia, where he wished to be buried. The Tunisian capital, Tunis, is the scene of massive protests demanding the immediate resignation of the president, Zine El Abidine Ben Ali, who has said that the army will no longer fire on protesters except in self-defense. Our correspondent is amongst the protesters. I am now in the main avenue of the Tunisian capital, where thousands of Tunisians are demonstrating and demanding the resignation of the president and the government. The demands are no longer about social conditions. There is only one call for the departure of the president. Small groups of government supporters are also on the streets, but they're vastly outnumbered by the opposition. The president has already said that he will step down in 2014, but pressure is mounting for him to leave office immediately. Gigi, good morning. Tarehe 18 Aprili 2019, Nabii alitoa unabii katika nchi ya Tunisia. Nimeona kundi linalojipanga kumng'oa rais aliyekuwa madarakani kwa silaha hapo kipindi cha utawala wake. Na sasa nimeona yuko karibu sana na kifo. Rais wa Tunisia. Namwombea. Amen. C'était la dernière apparition publique de l'ex-président Ben Ali, la veille de sa fuite en Arabie Saoudite, lors d'un discours à la nation. Pendant 23 ans, il règne sur la Tunisie et contrôle tout. C'est précisément le 7 novembre 1987 qu'il prend le pouvoir après ce qu'on a appelé un coup d'état médical contre le père de l'indépendance du pays, Habib Bourguiba, jugé trop vieux pour gouverner. Après des études à Saint-Cyr en France, Ben Ali mène une carrière discrète mais efficace. Il est nommé à la tête de la Sûreté nationale, puis entre en politique et occupe successivement le poste de ministre de l'Intérieur et celui de Premier ministre. À son arrivée à la tête de l'État, il a 51 ans. Il est accueilli avec beaucoup de méfiance par le peuple,
Mais très vite, il promet des réformes et s'engage à démocratiser le pays. Nous prenons des mesures quotidiennes en faveur des citoyens. Et à ma connaissance, l'opposition, le comportement et la réaction de l'opposition est très encourageante. L'année 1989 marque un tournant. Les islamistes obtiennent 17% aux élections législatives et deviennent la deuxième force politique du pays. Pour Ben Ali, c'est une menace qu'il brandit. L'islamisme est alors en plein essor chez le voisin algérien. Arrestations arbitraires et tortures deviennent courantes. La répression est très dure, mais elle est cautionnée par certains en Tunisie et même aussi à l'étranger. Les élections pour lui ne sont qu'une simple formalité. Avec une opposition muselée, il est réélu à 4 reprises avec plus de 94% des voix. Et quand on lui reproche de ne pas respecter les droits de l'homme, voici ce qu'il répond. Qu'est-ce qu'on reproche au point de vue des droits de l'homme? Qu'est-ce qu'on reproche? Allez-y, posez des questions. Ses partisans, eux, affirment qu'il aura fait beaucoup pour les droits de la femme, pour développer le secteur du tourisme et attirer les entreprises étrangères. Mais la corruption devient monnaie courante, surtout dans l'entourage de sa seconde épouse, Leila Trabelsi. Cette ancienne coiffeuse et sa famille prennent des parts dans un grand nombre de sociétés du pays. Les Ben Ali et les Trabelsi saisissent des terrains, font construire des palais gigantesques et achètent des biens de Paris à Dubaï. Chômage, répression politique marquent le quotidien des Tunisiens qui, pour beaucoup en 2011, n'en peuvent plus. On ne peut pas respirer en Tunisie, on ne peut pas raconter une blague sur le compte du président ou de la famille présidentielle. Les difficultés économiques à elles seules ne justifieraient pas cette révolte, cette intifada. Une révolte qui trouve son apogée au mois de janvier 2011. Le 14, Ben Ali n'a plus le choix, il doit quitter le pays et se réfugier en Arabie Saoudite. La justice tunisienne émet un mandat d'arrêt international, mais elle n'obtiendra pas le retour de l'ancien président. Avant sa mort, c'est donc par contumace que Ben Ali est jugé à plusieurs reprises. À chaque fois, il est condamné, notamment à perpétuité, pour les crimes commis pendant la révolution. Et j'étais avec des copines. On a pris parce qu'on a vu des gens qui ont apporté des pancartes « Dégage ». J'avais... Ici, ils dansent. Tunisia's revolution is 6 months old. It led to the downfall of President Ben Ali and to the uprisings across the Arab world. But the euphoria of those early days in Tunisia has given way to uncertainty. The elections have been postponed, demonstrations continue, and trust in the interim government is low.